Salut, salut! Eh bien, on continue notre aventure dans cette ville que j'estime être une ville de glace avec cette musique un peu cristalline. Et bah écoutez, je ne sais absolument pas ce que je dois faire, je n'ai absolument aucune idée. Je sais pas pourquoi jusqu'à maintenant j'étais toujours un petit peu inspiré. Mais là, j'ai traversé deux villes en mode super rapide. Et donc là, je ne sais absolument pas. Donc ce que je vous propose, c'est de visiter un petit peu cette ville, voir un petit peu si je trouve des bâtiments intéressants, des routes ou quoi que ce soit. Et on verra bien ce qu'il se passera. Et de votre côté, si vous avez envie de me dire un petit peu où est-ce que je dois me rendre, n'hésitez surtout pas. Alors déjà, dans les commentaires, j'ai lu que la route précédente, là d'où on vient, donc de l'Est, il faudrait que j'y retourne pour visiter un petit peu. Et donc vous m'avez dit aussi, pour avoir Ptera, ça se passait donc dans une grotte à côté de Roche-sur-Glyphe. Alors j'irai peut-être, finalement, je pense avoir changé d'avis. Ptera, je vous l'ai déjà proposé plein de fois dans mes aventures Pokémon, donc on va peut-être changer un petit peu. Donc je vous propose de me dire ce que vous avez envie de voir dans mon équipe, tiens, voilà. Je vous autorise à me mettre une peluche dans mon équipe, vous choisissez, et comme ça on le mettra un petit peu, on mettra un autre Pokémon différent que la plupart des dragons que je joue à chaque fois, histoire de changer, voilà. Donc là on entend des petits bruits de pas, hein. Donc ouais, je pense que c'est une ville de glace ou de neige. Je pensais qu'on avait déjà visité l'endroit enneigé, moi. Vous vous souvenez, dans la grotte, avec l'espèce de grande route, là, enfin, grande route, non, pas si grande que ça, mais... On avait traversé une route de neige sur le dos d'un Pokémon, je crois. Donc je pensais qu'il n'y aurait pas d'autre environnement de neige. Eh bien, bravo, tiens, je mets un max repousse dans la ville, moi. Pourquoi pas. Mais il est là! C'est le Blizzard de l'autre fois! Justement dans... Bah oui, donc c'est à cause de toi. Tiens, c'est toi là qui a mis la ville en glace. Moi je suis un dresseur dragon, on n'aime pas la glace. Tiens, tiens, et tiens. Est-ce qu'il fait toujours aussi... Attendez. Parce que celui de la grotte de la dernière fois, il faisait... je crois que c'était 4 cases de largeur. Hein. Alors on va voir si celui-ci est aussi gros. 2... Ce cri qui grésille, ça fera toujours rigoler ça. Ah, il est contre une paroi. D'accord, il est contre contre un mur. Il joue le garde. Qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'il bouge? Non, il bouge pas. Donc il fait 3 cases de longueur, celui-là. De longueur. Et de largeur. Ouais, ouais, c'est un parfait carré de 3 cases. Ah non! Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Il en fait 4 ici? 1, 2, 3... Non, non, 3, c'est juste que le quatrième cran, je sais pas pourquoi, et ça a rien fait, ça n'a rien fait. Ok, donc on a un Blizzard qui est ici. Bah très bien. Dans ce cas, je continue vers l'ouest. Attendez, attendez, parce que là, ça fait un petit peu long, j'aurais pas loupé un bâtiment. Non, je ne pense pas. Elle est sympa, cette musique. Elle tourne un petit peu trop vite en boucle, mais elle est sympa. Ah! Ah bah voilà, une route, tiens! Voilà une route. Donc là, c'est vers l'ouest de la ville. Encore cette musique? D'accord. Alors attendez, attendez, parce que j'ai appris de mes erreurs. Hein. S'il y a une route, c'est peut-être pas forcément tout de suite là qu'il faut se rendre. Je vais continuer à explorer un petit peu. Et ensuite, on ira ici. Donc on a dit vers l'ouest. J'étais un petit peu au nord aussi, donc on va dire plutôt nord-ouest. Nord-ouest de la ville, il y a une route. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas une arène, une maison ou quelque chose? Peut-être qu'il faudrait récupérer un objet important auprès de gens, quelque part. Hop, là, je peux descendre au sud de la ville. Non, pas trop. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que cette ville bizarre? Donc là, ça ne fonctionne pas. On est complètement bloqué. Ah, là, je peux descendre plus au sud, ok. Il faudrait d'ailleurs aussi que j'apprenne un petit peu les CS à mes Pokémon, parce que j'ai que le class qui a Surf, et également les CT Vol et tout ça, mais je n'ai pas appris Force, pardon. Je n'ai pas appris Force, ni Coupe, ni Glatrock, ni quoi que ce soit d'autre. Bravo, encore. Donc voilà, il faudrait peut-être que je songe à faire ça. Sans doute que je... D'ailleurs, c'est bizarre qu'on nous ait pas proposé de passage avec Force et tout ça, parce que non, j'en ai pas souvenir, hein. Ni coupe, apparemment, c'est totalement optionnel, c'est CS. C'est quoi ça? Non, c'est juste un seul clic, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de maison, c'est quoi cette ville fantôme? N'importe quoi. Et là? Là, on est dans un...
Non, j'allais dire qu'on était dans un cul-de-sac, mais non. Non, mais si je vais au nord, je vais revenir sur mon point de départ. Ça a l'air d'être des espèces d'embranchements étranges. Je vais voir si je peux descendre le maximum au sud, et ensuite visiter l'est et l'ouest. Parce que si je visite l'est tout court, ça va me faire revenir sur la route que j'avais traversée la dernière fois. Mais là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je me dirige complètement à l'est. Ouais, c'est ça. Bon. Mais d'où tu viens, toi? C'est normal ce qui vient de se passer. Je viens de faire une ligne droite vers la droite, évidemment. Et en me retournant... Mais il a disparu. Mais il a disparu. À moins que ce soit des personnages qui se déplacent. Je crois que c'est ça. Bah oui, ce serait logique. Ok, donc il y a des personnages qui bougent ici. Soit. Ah là, je peux descendre au sud. Ah bah voilà, ça c'est intéressant. Et... Tiens, cette paroi là, c'est pas un bâtiment? Donc, hop. Ah non, c'était pas un bâtiment. D'ailleurs, ça a fait disparaître la glace. Et là, ça non plus, c'est pas un bâtiment. Non, il n'y a pas de porte, il n'y a rien du tout. Bon, bah on va aller à l'ouest. Ah, c'est quoi, c'est une autre route? Ah, c'est une grotte. Une grotte. À tous les coups, c'est ça. Bah oui, à chaque fois qu'il y a une grotte dans une ville, il faut toujours y aller en premier et ensuite, après, ça débloque la route. Donc à tous les coups, ça doit être ça. Eh ben allons-y, tiens. Allons-y. On va visiter cette grotte. Et on verra bien ce qu'il se passe. D'ailleurs, c'est bizarre, il y a plus de glace là dans la grotte ou de neige. Ouais, c'est ça, il y a plus de son de pas qui symbolise la neige. Très étrange. Ah! Mais il y a de l'herbe. Oh, ok, bon. C'est bon, ça s'est transformé en herbe. Une grotte avec de l'herbe. C'est n'importe quoi, ça. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, ça ne fait rien. De toute façon, on visite. Moi, quand il y a une musique comme ça, j'aime bien. Ça veut dire que c'est un petit chemin sympa qui nous fera découvrir quelque chose ou obtenir quelque chose. Donc là, on va à l'ouest complètement. Ouais, c'est ça, c'est de l'herbe. C'est une grotte en herbe. Alors, là, c'est bizarre ce truc-là, j'ai l'impression qu'il y a des diagonales. Donc là, je suis juste le mur, juste pour savoir s'il y a vraiment des diagonales ou si c'est moi qui déraille complètement. Donc là, c'est bon. Ah voilà, là c'est pas bon. Regardez ça, je fais un pas en bas, et ensuite je veux faire un pas à gauche pour me buter contre le mur. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est une diagonale. Et ça me fait revenir donc en arrière. Ça c'est problématique, je vais voir la diagonale de combien de pas elle est grande. À peu près 4 pas. C'est ça, 4 pas, et ça me bloque vers le bas. Ok, bon. Si c'est des petites diagonales, j'accepte. Oula, c'est celui-là. Un dresseur. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Ah non! Ah non, pas ce truc-là! Je crois que c'est Snubble. Oh non! On n'aime pas les fées, nous. Ah mais en plus, il a l'intimidation. Ouais, mais depuis quand quelqu'un peut faire peur à Tranchodon? C'est quoi cette sorcellerie? Tiens! On va faire une danse draco pour booster notre attaque tranche, qui est la seule attaque qui vaut le coup. Et lui, il me fait mâchouille. Est-ce que ça va faire baisser mon spécial? Pas du tout. Et maintenant, tiens. Je pense pas qu'il survive. C'est un Snubble, après tout. Voilà, ça t'apprendra. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? On va mettre quelqu'un d'autre à la place de... Oh bah tiens, c'est Grumble, maintenant. Mais lui, là, ah ça c'est bizarre, il n'a pas l'intimidation. Oh, il a eu effet hurlement. Oh, mais ça envoie le classe. Ouais, le classe qui est lourd, lui, par contre. Hein. On l'a bien entendu. Bah, ça va être l'occasion d'écouter le son de laser glace. Non, c'est très moche. C'est très moche pour un laser glace. Je peux faire mieux que ça. Non, ça ne va pas. D'ailleurs, c'est le même bruitage que dans Ruby Omega aussi. Ok, c'est une bonne idée, tiens, de mettre Loclas en premier. Mais... non. Non, on va pas faire ça. On va mettre... non, on va rester comme ça. Non, j'ai dit qu'on changeait, donc on change un petit peu.
On va mettre quelqu'un que je ne mets jamais. Hop, voilà, je crois que je me suis pas raté. J'ai mis Monsieur Shuriken, là. C'est quoi déjà son prénom? Amphinobi. Une grenouille ninja, c'est ça, hein. Il paraît que c'est une grenouille, ce truc. Une grenouille bipède, bien sûr. Oh non, mais encore une diagonale? Oh, qu'est-ce que c'est, cette grotte maudite? Non, mais laisse-moi passer, toi. Est-ce que je peux te contourner sans faire une diagonale? Ah non, il... Ok, bon, il n'y a pas de passage, ici. Très bien, très bien. On va... Oh, génial, un objet. J'aurais préféré une CT, parce que là, j'ai vraiment besoin de changer un peu mon arsenal de CT, parce que c'est vraiment nul, ce que je possède. D'ailleurs, je ne possède pas grand-chose. Est-ce que je pourrais trouver un petit accès? Ah, voilà. On va suivre l'herbe. Est-ce que c'est possible de faire ça? Non, c'est pas possible de faire ça. Là non plus. Si je remonte, je vais revenir vers la sortie. La sortie était à l'est. Ah, il y a un accès. Non, c'était une diagonale. Non, c'est un accès. Oula, ça a l'air très bizarre. Si, 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 il y a un accès, voilà. Là, c'est long sur la gauche. Ok. Et ça, c'est quoi? Ça n'a pas l'air important. Je pense pas que c'était le dresseur, parce que le dresseur, il n'était pas du tout ici. Oh, les diagonales, c'est horrible. Ok, donc là, je suis revenu sur le simple clic. Je peux pas le contourner. Apparemment, c'est un truc dans le mur. Donc, c'est peut-être un arbre à couper, peut-être un rocher à déplacer, peut-être un truc à casser avec éclatroc. Ah, là, je peux descendre. Et c'est encore une diagonale, je crois. Non, non, c'est bon. Un petit max repousse qui, là, sera parfaitement utile. C'est pas comme dans la ville où ça sert à rien. Si, c'est une diagonale, ça. Oh, c'est de la sorcellerie. Et ça? Non, ça, c'en est pas une. Ok, donc je vais suivre ce mur. Jusqu'à où je peux le suivre? Jusqu'à là. Ça mène où, ça? De l'herbe. Oh, c'est super grand! Encore de l'herbe. Ça s'arrête jamais? Quoi? Attendez, je fais du surplace? Mais c'est pas normal! D'habitude... Mais comment c'est possible? Attendez, c'est pas normal, ça. Je vais faire un truc. Un pas... Le menu. Un pas... Le menu... Là, ça marche toujours. Là aussi, bah alors quand est-ce que ça fait... C'est là! C'est là! Mais il n'y a pas de son de transition de zone. Normalement, il est censé avoir un petit bruit d'escalier ou quelque chose, mais là, non. Oh, la sorcellerie. D'accord, mais alors, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je change de zone, ou est-ce que ça veut dire que je reviens sur mes pas? Je ne sais pas du tout. Là, si je descends, ça fait quoi? Ok, là, il y a un mur. Et là, il y a un escalier. Voilà, là, il y a un changement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, la musique, elle est immonde. Bon, après, c'est que le début. J'ai pas le droit de dire ça si c'est que le début. Je sais pas où est-ce qu'on est, là. J'ai l'impression que j'ai atterri dans un endroit où j'aurais pas dû atterrir. Mais elle est super bizarre, cette grotte, là. Je suis sûr que je suis passé à côté de tout, encore. De toute façon, on va y retourner, parce que je crois pas que ce soit ici le bon endroit, vu la musique que c'est. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Ah, on me parle automatiquement. Bien sûr. Oh, un Pokémon chien. Mais c'était pas le même. Vous savez, il y avait un moment donné dans le... Bah, c'était il y a très très longtemps. Il y avait une espèce d'énigme où il fallait justement réussir à bloquer ce Pokémon pour le ramener à son propriétaire. Je crois que c'était lui, hein. Je sais plus comment il s'appelle. C'était Coiffe quelque chose. Ah, il fallait mettre oui. Bah, je mets oui, d'accord. D'accord. Et c'est terminé. Mais attendez, ça veut dire que j'ai parlé à quelqu'un qui s'en est allé. Il est parti où? Oh, toute l'herbe qu'il y a! Ça doit être une extension de la grotte. C'est quoi cette musique, sérieux? J'arrive même pas à dire à quoi ça me fait penser, parce que bah, j'en ai absolument aucune idée. C'est une ville, c'est quoi? Il y a trop d'herbes pour que ce soit une ville. C'est quoi ça? Ok.
Ça a l'air, plutôt grand. Mais oh, il doit y avoir des tas de Pokémon sauvages vu l'herbe qu'il y a. Ah si, c'est archi grand. À moins que je fasse du surplace encore. Ah non, non, c'est bon, ça c'est fini. Oh le truc. Bon, bah je sais absolument pas où est-ce que je suis. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à trouver. C'est quoi ça? Il y a une boîte qui bouge toute seule. Il y a des spectres. Mais ça fait, c'est exactement ça. Ça me fait penser au bruitage des boîtes qui bougeaient toutes seules dans Luigi's Mansion 2. Ah. Et le bruit s'éloigne parce que je me suis éloigné de. Ah, je sais ce que c'est. On avait entendu ça. C'était sur le chemin brun, je crois. Il y avait une grotte et il y avait une. Vous m'aviez expliqué que c'était des personnes qui faisaient des figures ou je ne sais quoi. Et c'était le même bruit. Donc apparemment, il doit y avoir des personnes qui font des figures. Est-ce que je peux lui parler? D'ailleurs, comment on fait des figures? Je crois qu'il faut utiliser le joystick. Voilà, comme ça. Quoi? Mais non, mais ça marche pas. Et ensuite? Non, mais ça marche pas. Je sais pas comment on fait. Ah bah tant pis, j'abandonne. C'est trop nul ce truc. Ah bah tant pis. Ah, salut, c'est toi qui fais tout ce bazar? Non, c'est pas lui. En tout cas, le bruit s'est arrêté. Parce que je me suis éloigné sans doute. Ok, bon, vous savez quoi? Pour une fois, je vous propose une vidéo sans doute un peu plus courte. Mais bon, on a quand même réussi à traverser un lieu. Voilà, c'est déjà ça. Il faut quand même. Là, je suis désolé, mais il faut que je me renseigne. Ou vous, de votre côté, dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que je dois faire. On a également réussi à trouver une personne qui s'en est allée. Je sais pas où est-ce qu'elle est repartie. Hein. Peut-être dans la ville précédente. Et il faut que je trouve une arène. Hein. Je crois qu'il me reste un badge à avoir. Donc. Ah, mais j'ai l'autre route. Bah oui, j'avais trouvé l'autre route tout à l'heure. À tous les coups, c'est ça. Maintenant, il faut que j'aille voir l'autre route. Ça a dû débloquer quelque chose parce que j'ai parlé au personnage qui était ici. Et maintenant, il faut que j'aille sur la route de tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Bon, comme la route a l'air d'être assez loin, je vous propose de faire ça dans la vidéo précédente en espérant que celle-ci vous aura plu, même si elle était un petit peu plus courte que les autres. Décidément, j'ai un peu de mal. Allez, je vous dis merci à tous et à la. C'est quoi cette musique, sérieux? Et à la prochaine. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui apparaissent sur la chaîne. Allez, salut!